Hey, salut à tous! Donc, on se retrouve pour l'épisode 20. Oh, pardon, je me suis trompée. L'épisode 20 de Resident. Donc, on va retourner là où on était l'autre fois. Donc, j'avais sauvegardé sans vous et j'ai déposé pas mal de choses. J'ai gardé sur moi mon arme, mes munitions. J'ai gardé deux disques MO parce que je me dis que ça va servir ici. Et du coup, ouais, j'ai reposé le briquet et le kérosène pour le moment parce que il va nous falloir de la place pour pouvoir prendre les radiographies et tout et résoudre ce petit mystère. Et on va continuer d'explorer l'endroit, quoi, tout simplement, hein. Allez, c'est parti. Donc, on redescend. Allez, go! J'ai envie de voir ce qui va se passer. Alors, c'était la porte ici. Donc, on y va. C'est parti. Donc je prends la trousse de secours. C'est pas pour rien que j'ai pas pris de soin. C'est parce que je savais qu'on allait avoir elle. Oui, bien évidemment. Donc, tac. Examiner. Ouais, c'est ça. Faut la mettre par-dessus pour qu'elle saute. Donc, très bien. Un mélange de plantes vertes. D'accord. Bon, c'est pas le max, mais ça nous soignera quand même. Bon, allez, go. Puis de toute façon, on est bon, donc on va pas mourir. Je vais y croire à celle-là. Hein? Allez, genre, on va y croire. Bon, alors c'est parti. Donc on va prendre. Donc, radiographie. Donc, Clark, c'était. Donc c'est. Et là, c'est Gail. Ok, oui, mais ça on l'avait lu l'autre fois, donc par rapport à l'aide alphabétique pour déverrouiller électroniquement le truc. Donc Alex Béchet, on prend en compte le nom de famille. Ou pas. Attendez, Alex, et là c'est quoi celle-là? Oui, non mais... Je sais qu'il y a de la place, mais tu me saoules? Jill, tourne-toi s'il te plaît. Je veux voir là ce qui se passe sur celui-là de cliché. Donc, Ed. Alex, Ed Fisher. Mais c'est vrai ça. On prend en compte quoi? Le prénom ou le nom? Normalement, on est censé prendre en compte le nom. Donc, Gail Holland, et lui, c'est quoi? Clark David. Donc moi j'utiliserai. Attendez. Oh c'est celui-là. Donc j'utilise, je le mets là. Donc il y a un truc de radiographie. Ici, il y a un bouton. Donc je suppose qu'il faut appuyer sur le bouton. Yes. Donc une partie rouge, rougeoie, une partie rougeoie, ok, ouais, ok. Donc sur tous les clichés, on a une partie qui rougeoie. Ok, tout va bien. Donc on va voir au niveau de l'anatomie du coup. Donc là c'est le côlon. Ok, et ici c'est quoi? Donc c'est l'œsophage pour moi. Non, 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 non. Je vais juste voir de près ce que ça donne. Donc l'œsophage, donc le foie, non, je regarde le même cliché, ah non, ouais, d'accord, je regardais le même cliché plusieurs fois, donc là c'est les poumons, non. On entend leur petit peu les radios. Donc par contre, c'est l'anatomie en anglais du coup qu'il faut regarder. Donc ça ferait le côlon, l'œsophage, parce que eux c'est œsophagus. Donc le foie et les poumons du coup. Sel. Sell. Ok. Bon bah écoutez, on va continuer à examiner la pièce de l'autre côté. Parce que je crois que là... Ouais, on a tout fait dans cette pièce-là. Donc on va ressortir. Pour le moment, les portes sont bloquées électroniquement. On va y arriver. Donc, il faut qu'on continue pour avoir autre chose à se mettre sous la dent, quoi.
Alors, c'est parti. On sort par là. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Ah, un poignard. Nice. Munitions. On dit pas non. Non, par là, s'il te plaît. Il y a des portes ici. Ok, très bien. Et une porte là. Je sais pas trop vers quelle porte aller en premier du coup. Bah écoutez, on va commencer par celle qui est là-bas au bout. Alors, qu'est-ce qui... où ça nous amène tout ça? Oh, des munitions! On n'entend pas de monstres, donc on devrait être tranquille. Ah, c'est des munitions de Magnum. Ça va pas trop me servir les munitions de Magnum. J'aime pas trop cet endroit. On se croirait dans une salle d'autopsie. Je sais pas trop quoi. Ah, V-Act, note du chercheur. Tout tend à démontrer que le virus T affecte le génome de l'organisme hôte. Ok. Nous avons maintenant la preuve qu'une fois que l'individu a perdu connaissance, le corps entre dans un état latent. Ok. Pendant cette période, le virus s'active et transforme rapidement l'organisme en recomposant sa structure de base. Donc ça modifie tous les gènes. L'hôte finit par prendre la forme d'une créature humanoïde que nous appelons V-Act. La vitesse à laquelle agit le virus et le développement musculaire important qu'il entraîne sont particulièrement remarquables après la mutation. L'individu devient de plus en plus agile et agressif. Quatre de nos chercheurs ont déjà péri en tentant de le nourrir. Cela s'est terminé dans un véritable bain de sang. Depuis cet accident tragique et horrible, nous avons baptisé l'espèce Tête Sanglante. Impossible de laisser ce précieux spécimen où il est. Nous devons trouver une solution, bien sûr. Il est hors de question de le détruire. Nous avons finalement décidé de congeler le spécimen et confiner, pardon, son corps dans le sous-sol du cimetière de la cour. Waouh, sympa. Alors, c'est quoi cet ordi? Jill, arrête de danser. Waouh! Donc, Claudine. Donc, si on se base sur ce qu'on avait lu avant, c'est John. Entrée. Password, Ada. Entrée. Accessing. C'est stylé quand même. Alors, B2F. Mot de passe. Donc, si on se base sur les clichés, ça fait celle. Entrée. Yeah! Ah, c'est trop bien foutu, n'empêche! Donc, qu'est-ce qu'on y voit en fait? Je vous avoue que je comprends pas trop à quoi ça sert du coup. Ça nous permet de débloquer les portes, je suppose, en gros. Ça doit être ça. Bah ouais, je quitte, y a rien à faire. Un serveur de gestion des informations. Ok, ici. Un serveur de gestion des informations. Ok. Des écrans à cristaux liquides.
Wow! Ah ouais, c'est très glauque, hein. Ce genre d'environnement, j'aime pas du tout. Du coup, ouais. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va se réveiller. Trousse de secours. Ok. Encore des plantes. Une seule? Donc normalement, si je fais... Mais je clique mal à chaque fois. Voilà, là on a un gros mélange comme ça. Ah mince. Voilà. Bon, je vois rien d'autre. Apparemment, on peut pas passer ailleurs, on peut pas faire le tour des cadavres. Donc, bon, c'est très glauque hein, quand même. C'est le genre d'environnement qui que je kiffouille pas des masses, on va dire. Je pense qu'on va remonter et on va aller voir. Quoique. Ah non, on va aller voir là-bas si ça a permis de déverrouiller des portes. Allez, on va aller voir par là. Je trouve limite ça plus lugubre que ce qu'on a pu faire avant. Je sais pas, les endroits, genre les morgues et tout, je crois que c'est un truc que j'aime pas du tout, quoi. Oh, c'est trop bien! Des grenades incendiaires! Wow. Alors, fax. Au service sanitaire, à l'attention du directeur des services sanitaires, comité d'alerte de Rancon. Ce rapport est strictement confidentiel et ne doit pas être lu. Il doit être. Pardon. 1, 2, 3. Et ne doit être lu que par la personne à qui il est adressé. Toute copie ou divulgation du contenu de ce fax à un tiers est strictement interdite par son expéditeur. Ce fax doit être détruit. Et décidément, j'ai galère immédiatement après avoir été lu. Les dégâts entraînés par l'épidémie de virus T seront bien plus importants que ceux que nous avions initialement prévus. Nous portons donc les faits suivants à votre attention. Premièrement, plus de la moitié des chercheurs ont été infectés par le virus T et ils sont morts. De plus, la quasi-totalité des survivants commence à manifester des symptômes de l'injection. Deuxièmement, notre équipe secrète de sécurité a été totalement anéantie. Par conséquent, nos recherches ultra-secrètes risquent d'être dévoilées au grand jour. Waouh! Nous vous demandons d'agir immédiatement avant que les médias ne s'arrachent l'affaire. Troisièmement, il y a de grandes chances pour que la plupart des spécimens errent en liberté dans le complexe. On peut s'attendre à une augmentation du nombre de victimes. Bien que la mort de ces personnes soit très regrettable, ces événements confirment le succès de nos recherches. Et il nous faut agir sans attendre pour que les résultats de nos recherches ne soient pas divulgués au grand public. Nous pensons que la première intervention officielle sera le fait de la police d'État et des SARS. C'est nous, en gros. Nous vous recommandons fortement de prendre dès maintenant les mesures nécessaires les concernant. Ils veulent nous buter? Ils veulent nous buter? Un système de transmission de code de sécurité. Si vous aviez un disque mot, vous pourriez transmettre le code au système. Ouais, j'en ai un. Ah, du coup, il va y avoir trois disques. Voilà. Vous avez débloqué quelque chose. Ok, donc on n'a pas tout débloqué, on a débloqué une partie des choses. Ok, tout va bien. Alors, il y a quelque chose qui brille ici. Filtre à Japu. Ok.
On dirait qu'il y a quelque chose derrière cette lourde porte. L'ouvrir? On va dire non pour l'instant. J'ai pas envie. J'ai envie de voir ce que ça a ouvert la porte, mais à mon avis, il faudra qu'on y revienne plus tard. Bon, le zombie, du coup, on sait qu'il est pas mort, ça c'est clair et net. Mais on va remonter. Bon, désolé si vous entendez du bruit, mais je suis pas tout seul à la maison. Du coup, on va faire un demi-tour. On va aller à la salle de sauvegarde. On va retourner déposer des choses dans les coffres parce que bah on est blindé, tout simplement. Non, c'était là-bas. Je suis bête. Donc on a encore des portes à ouvrir de l'autre côté. On ira après. On va essayer de remonter, voir après. Non, on va sauvegarder et après on va aller voir de l'autre côté où la porte était fermée. Peut-être que ça l'a déverrouillée avant de redescendre ici. C'est vrai que y a pas mal de choses à faire. Je prendrais peut-être de quoi cramer le zombie. Quoique je sais pas si on y retournera tout de suite. Donc est-ce que ça vaut la peine de s'enquiquiner avec lui? Bon après là je vais avoir plus d'armes du coup. J'ai eu des munitions pour bah, du truc, mon lance-grenade. Donc c'est plutôt intéressant. Hop! On va en profiter pour sauvegarder parce qu'on a la moitié du temps de la vidéo. Donc, tac. Je vais garder ce filtre, je pense. Lance-grenade. Ouais, on va sauvegarder et on va redéposer les rubans encreurs avant d'aller continuer. Je préfère sauvegarder parce qu'on sait pas ce qui nous attend. Yes, on sauvegarde. Et on va aller voir ce qui se passe dans cette salle. Donc je vais redéposer les rubans encreurs comme j'avais dit. Histoire de avoir un petit peu de place, de slot, j'espère que ça nous suffira. Que je préfère garder le disque mot et ouais, au niveau des armes, j'ai plus grand chose pour le moment, donc on se refait le plein d'ailleurs. Au final, heureusement qu'on a ces munitions-là, parce que quand je vois bon après j'ai fait le con avec l'araignée quoi, c'est ça le truc. J'aurais pas utilisé autant de munitions pour l'araignée, je serais pas autant à sec là quoi. Bon allez, c'est parti, on y va. On va aller voir si ça a permis de déverrouiller ce côté-là. Non, l'autre côté, là-bas. Je perds la tête. Parce qu'apparemment c'est marqué B2. B2, je sais pas quoi. Donc, yes, on peut rentrer. Alors, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Alors. J'ai pas l'impression d'entendre des monstres. Donc, encore un disque mot. Du coup, on a les trois. Donc, il faut juste trouver où les mettre pour tout déverrouiller. Donc. Oui, je vais prendre le spray. Ah, protocole de sécurité. Héliport réservé aux membres de la direction. Cette restriction ne s'applique pas en cas d'urgence. Alors, sous-sol niveau 1. Passage vers héliport, entrée interdite, hormis en présence d'un conseiller en recherche ou du directeur de la sécurité. Ordre est donné du tiers à vue sur toute autre personne non autorisée. L'ordre est de tirer. Waouh! À vue. Waouh! Ascenseur. L'ascenseur s'arrête en cas d'urgence. Salle des données visuelles. Accès réservé à la division de recherche spécialisée. Seul Kays Arvin, directeur de cette salle, peut donner à d'autres personnes l'autorisation d'y accéder. Prison. La prison est sous la responsabilité des services sanitaires. Au moins un conseiller en recherche. E. Smith, S. Ross, A. Wesker. Mais Wesker, c'est notre camarade? Doit être présent en cas d'utilisation d'un virus. C'est le même? Ou c'est quelqu'un qui a le même nom? Porte à triple verrou. L'entrée dans cette pièce est limitée à la personne qui désactive la serrure à l'aide de tous les codes d'accès. Ouais, donc c'est le truc par rapport au verrou, je suppose. L'accès aux terminaux situés dans chaque section des directeurs de recherche désactive la serrure. Alors, salle haute tension dans cette
pièce, pardon, la principale source d'énergie est un composant à base de nitroglycérine. Mais la nitroglycérine, ça explose. C'est ce qu'on sert à pour faire les dynamites et tout, non? Son accès est restreint aux surveillants de quartier général. Cette restriction ne s'applique pas aux conseillers en recherche disposant d'une autorisation spéciale. Terminaux de code d'accès. L'utilisation de ces terminaux est réservée aux principaux chercheurs. En ce qui concerne les progrès de Tyran après l'administration du virus, T, le reste document est illisible. Les progrès de Tyran, c'est qui Tyran? Wow. Ils sont tordus, hein. Ah, j'ai plus de place. Et c'est des trucs pour fusil. Oh, bah mince. Donc, des vidéos sont rangées sur les étagères et une caméra de surveillance. Ok. Alors, la cassette est en place. La regarder, ouais. Donc du matériel publicitaire pour les armes biologiques de Umbrella. Donc Cerberus, donc ouais, les chiens. Neptune, ouais, bah c'est les requins qu'on a grillés là. Hunter, donc c'est celui qu'on a vu il y a peut-être 3 ou 4 épisodes, là, les trucs. Et Tyran, où lui, on le connaît pas, mais il a l'air badass. Eh ouais, c'est Wesker, ça, sur la photo. Ici à droite. Donc c'est le même. Groupe de recherche sur des armes biologiques, équipe de développement. Il a participé à créer les monstres qui sont dans le manoir. Wow. Donc, un code, ok. Donc, on reviendra. Attendez, je vais noter le code. Quand même. Ah! Mais reviens là, toi. Ça va nous servir, je pense. Donc, 8, 3, 4, 1. 7, 0, 6, 2, 3. Ok. Alors, on va continuer d'examiner la pièce. Jill, arrête de faire tes conneries, parce que là, ça va me gonfler encore. Non, par là. Y a rien à faire ici. Y a rien à examiner. Un terminal de saisie de code de sécurité. L'utiliser, oui. Donc, je suppose que c'est par rapport au code qu'on a lu dans la vidéo. 8, 3, 4, 1. Erreur. Donc, ça marche pas. Très bien. Non. Alors, ça, c'est quoi déjà? Filtre à diapo. Bon, on va l'utiliser. Ah, faut que je me mette plus près. Est-ce que ça a rapport avec le film? Que là on nous montre des diapos quoi, vu l'écran qui est derrière, donc ça doit nous servir là. Utiliser du matériel, oui, ça on sait, on a compris. Moi je veux voir, donc ça c'est ouais, il n'y a rien qui est changé. Ah voilà, donc 8 4 62, donc 84 62 quoi. Donc on va voir si c'est le code qu'il faut utiliser. 84 62 du coup. Alors 84 62. Et c'est le bon code. Très bien. Et ça a ouvert un passage secret. Alors on va aller voir ce qui se passe. Par là. Ah oui, j'ai ça aussi à prendre. J'ai plus de place. Bah on va utiliser un soin, tant pis. Hein. Ça va, on n'en manque pas, on en a encore plein dans les coffres et puis on va retrouver quoi, je veux dire. C'est pas la mort quoi.
De l'équipement de montage vidéo, on dirait que vous pouvez l'utiliser pour la cassette de Kenneth. Ah oui, c'est vrai, c'est la cassette qu'on avait trouvée sur Lot. Ouais. Oh là là. Waouh. Eh ben, il lui arrivait quelque chose de pas très sympatoche, hein, à ce gars. Bon, bah écoutez, on va retourner la salle de sauvegarde parce que, bah, il nous reste plein de choses. Bon, en tout cas, on va pouvoir déverrouiller des portes et on en sait un peu plus au final, mais ouais, il est pas très clean, notre camarade, au final, hein. Le cher Wesker. Donc, ça serait plus de lui qu'il faudrait se méfier. Et il y a mon chien qui aboie, donc je reviens. Alors, on se retrouve du coup. Donc, ouais, on revient au coffre. Donc, comme je disais. Bon, bah, c'est pas mal, on avance, je trouve. Donc, la clé, il faut qu'on la garde sur nous. Donc, au lieu de ça. Ah non, c'est pas le fusil qu'il faut que je prenne, c'est le truc d'assaut là. Il fera plus de dégâts. Alors, il est où? Il est où? Il est où? Oh, c'est le bordel dans ces coffres. Sachant que normalement, je suis quelqu'un qui range tout le temps parce que je suis plutôt maniaque. Alors. Ah oui, il faut que je combine. C'est dommage qu'on puisse pas combiner quand on est dans les coffres. Je me sens mieux maintenant que j'ai des munitions avec des autres armes. Alors du coup, par contre, on est quasi à 30 minutes et le temps d'explorer une autre pièce, on sera encore trop au niveau du temps. Donc je préfère faire une vidéo plus courte cette fois-ci. Donc on va sauvegarder là et on ira dans les autres pièces la semaine prochaine. Tout simplement. J'espère que ça vous plaît en tout cas. N'hésitez pas à me dire. Parce que enfin, c'est vrai que je prends du plaisir à jouer au jeu, mais... C'est pas qu'à moi que ça doit plaire, c'est aussi à vous, quoi, parce que sinon, il n'y aurait pas intérêt à faire la vidéo, quoi. Bon, bah, je vous laisse, je vous fais des bisous, à la prochaine, ciao, ciao!